bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto que je dois faire pour un coco. C'est un coco estival qui est organisé par Glaris dans tous ses états. Il faut faire une carte ou une création, n'importe quoi sur le scrap, sur le thème de la musique et la langue des émotions. Je vous présente ma petite création que j'ai faite. Voilà, la musique, j'ai tamponné ça. Ce beau tampon, j'ai mis du vélum en musique. Et la langue des émotions, j'ai mis des fleurs, des tournesols, là, et de la dentelle. C'est parti pour le tuto. C'est parti pour le tuto. J'ai pris une base de 4 de 13 sur 13 cm et je me suis préparé un bout de papier de 12,5 sur 12,5 pour faire ça et je vais le coller. Voilà, comme ça, et je vais faire le sec au milieu. Voilà, comme ça. Ah, j'ai fait un sec, ensuite je mets le tampon à l'intérieur. J'ai pris un morceau de scrap pour faire le dessus de la carte ici, et je vais le coller. J'ai déjà collé. Le coller là. Voilà, et je vais le tamponner avec ce tampon. Il y a de la musique et je sais plus ça s'appelle cet appareil. Je vais le tamponner là. Et quand je vais le fermer, il y aura le petit dessin. Alors, j'ai pris ma fameuse machine tamponnage que j'ai eu à Stampin' Up. Elle est trop géniale. Il y a plusieurs positions. On peut enlever ça, faire comme ça. Voilà, et je vais tamponner mon petit tampon et même ma petite carte. J'ai des aimants derrière. Hop. Voilà, comme ça, je vais faire un petit repère pour savoir où je vais positionner mon petit tampon. Oh, je fais une petite croix. Vais mettre ça comme ça. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. Hop. J'appuie bien.
en mon encre. Je prends la vieille fine là. Je crois que c'est bon. Hop. J'appuie bien. Et recommencer. Il manque des petits coups d'encre quelques endroits. Là. Voilà, ça fait ça. Oh, comme on l'eau et comme ça. Ensuite, j'ai pris ce tampon là et positionné sur les coins. Hop. J'ai oublié de mettre les mains. Ça comme ça, hop, c'est bon. Je prends ma vieille saphine, je tamponne. Hop. Je mets l'autre côté. Hop. Là, ça fait comme ça. J'ai fait une petite découpe dentelle et je vais le couper en deux comme ça. Je vais le mettre ici et je vais le coller et je vais couper qu'il y a en trop ici. Voilà comme ça. Ensuite, je vais mettre des fleurs ici. J'ai coupé quelques fleurs de tournesol. Voilà. Avec une feuille comme ça qui vient de Stopinov. Je les ai coupées les contours. Pour mettre, pour les placer ici. Voilà, ça fait ça. Quand on l'ouvre, ça fait ça. Voilà. J'ai rajouté une feuille de vélum pour faire plus joli. Il y avait de l'encre qui s'imprimait quand j'ai fermé pour cacher la misère. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que je vais gagner le challenge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.